Desquels? Les poissons chats bleus, poissons chats tête plate ou les poissons chats tachetés. N'importe lesquels, les amis. Je vais aller voir un peu dans mon inventaire. Il nous reste 4 minutes. On a le temps. On va voir un peu si j'ai assez de l'imagineur, c'est bon. J'aurai un peu tout ce que j'ai. Mais il reste, allez, 3 minutes. 3 minutes. Tranquille. Jean-Marc, salut, heureux. Ça va, ok. Là, il reste 3 minutes avant le départ du concours. Je vais aller voir quand même mon inventaire. J'ai préparé ma canne. J'ai pris du chineur. J'ai changé, j'ai pris le vivier. Malheureusement, c'est un petit vivier que j'ai. J'en ai un de 100 kg avec un poids maximum de 20 kg. Alors que l'enfiloir, c'est une capacité de 150 kg. Avec un poisson maximum de 50 kilos. Donc l'autre est vraiment bien. Mais bon, là c'est interdit, les enfiloirs. Comme on peut pas relâcher les poissons avec l'enfiloir. Quand ils sont dessus, c'est fini. Les poissons sont morts. Hein. Ils peuvent plus être relâchés dans la nature. Alors, je vous montre comme ça en même temps. Tiens, on a quelques minutes pour voir comment il reste. 2 minutes. Il reste 2 minutes. Tu as 200 kilos? Je n'ai pas encore acheté, j'ai pas assez de sous. J'ai préféré acheter la carte 5 rois 600 pièces d'or. Mais un jour ou l'autre, je vais l'acheter. Hein. Mais il faut que j'achète le filet, pas l'enfiloir. Faut que j'achète l'autre. En même temps, je profite, voilà, pour faire voir ma Brutus. Moi, c'est un Brutus 330 SE, longueur 3 m 3, poids de la ligne entre 5 et 15 kg. Le moulinet, c'est un Thunder Spin 5500 SE. Il n'est pas mauvais celui-là. Avec un monofile 0,5. Puissance du frein 19 kg. Le moulinet il est puissant quand même. Hein. J'aurais pu mettre un moulinet un peu moins puissant sur ma canne peut-être. Avec X-Series Mono, mon flotteur en forme de poire, hameçon 8-0, chineur. Ça c'est la première canne. Ma deuxième canne. J'ai fait deux cannes pour la pêche au bouchon. Longueur 3 mètres, c'est là. Une Irish Clover. Je l'avais acheté pour la Saint-Patrick. Action semi-rigide. C'est une bonne petite canne aussi. Puissance du frein 11 kg pour le moulinet. Un Lucky Shamrock 4500. Après la 13-0-23, j'ai mis. Après là, c'est Hauler. C'est celle que j'utilise le plus. Celle-là pour l'instant. La WPT Power Ezox. Celle-là, j'avais pris dans un pack. Celle-là. Attendez, je regarde si on est. À 3 secondes. Bon, on est parti, les amis. Allez, c'est parti pour le concours. 45 minutes d'espoir. Salut Nicolas. Non, j'ai pas un compte premium, non.
Déjà, je vais changer de canne. Je vais prendre ma Brutus. Non. De temps en temps, oui, quand tu prends un pack, quand je prends un pack, souvent, il te donne un mois de premium, à peu près un mois, ça dépend. Attends, là, je fais n'importe quoi, là. Ramène. Je n'étais même pas au bord de l'eau, je lançais déjà. Ça, c'est le stress du concours. Allez, vite, on ramène. Je relance. Allez. Voilà, par là. Ah, je suis content de faire ce concours parce que je voulais le faire, celui-là. Ah ouais, c'est vrai que j'ai changé le fil. Donc je tire plus loin là, avec celle-là maintenant. J'ai mis plus de 100 mètres de fil. Il reste 43 minutes. Ça y est, ça a déjà pêché là devant. Les premiers, ils ont déjà pêché. C'est quoi l'horaire? 5 h du matin. Temps ensoleillé. On verra bien. Hein. À quel niveau? Je suis au niveau 43 ou 44. Je crois que j'ai passé le niveau 44 là. Allez, allez, poisson chat là-haut. Ah, c'est vraiment l'endroit que je connais bien. Hein. La prochaine carte que je vais prendre en illimité, je crois que ça va être ici que je vais prendre en illimité. Pour l'instant, j'ai Sainte-Croix illimité, la Floride, New York, le premier lac aussi où on pêche, gratuit. Ça, j'ai acheté en premier, ça. Ça, c'est un conseil à tous ceux qui débutent, hein. Achetez le premier lac, il coûte pas cher, en illimité, comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez faire de l'argent. Je vais mettre un peu plus de frein là pour le faire venir. Dix-neuf, bientôt 20. Eh ben c'est bien. Et après tu vas voir, ça monte vite. Hein. Et voilà, un premier. 12 kilos. Allez. On continue sur la bonne lancée. On va essayer de faire un unique. Ouais, 19, bientôt 20. Donc autant tu peux aller même en Floride, je pense, niveau 19, hein, je crois. Je sais plus. Hein. Quand tu vas, si tu vas en, dans le lac Sainte-Croix, pas encore. Hein. Tu n'as pas encore le niveau, mais va en Floride et tu fais un maximum à chaque fois de brochets, le brochet de mer. Ça rapporte pas mal d'argent et d'XP. Voilà, c'est bien, voilà. Hop. Allez. Ça commence à mordre. Faut que je fasse attention parce que j'ai pas mis une ligne puissante. Hein. Je crois qu'elle fait 13 kilos. Hein. Bon, ça va. Mais il faut que je fasse attention de ne pas me mettre dans le rouge. Hein. Je sais plus, j'ai pas fait attention. Ils te le disent, hein, quand tu vas dans les concours, tu regardes. Si c'est pas allumé, c'est que tu peux pas le faire. Autrement, si c'est allumé, tu peux le faire. Hein. Mais là, il faut avoir déjà du bon matos, hein, parce que là, au poisson-chat, tu casses vite la. Oh, les beaux, celui-là, 14 kilos. Tu casses vite le matériel. Hein. Allez, ça mord, ça mord. Il faudrait un plus gros encore.
Mais c'est bien les concours, hein. De temps en temps, de faire un petit concours comme ça, c'est bien. Mais c'est marqué, quand tu regardes le concours, tu descends tout en bas du descriptif du concours et c'est marqué niveau. Là, je crois que c'était niveau 34, je crois. Je viens de m'en rappeler maintenant là. Quand tu descends dans le concours, tu regardes tout ce qui est marqué, qu'est-ce qui a pêché, avec quoi, et tu regardes en bas, et il y a marqué quel niveau c'est. Et voilà. Allez, allez, un petit poisson là. C'est pas la meilleure heure, 5 heures, hein. Ici, hein, quand même. Hein. Ouais, tu vois, c'est bien le concours aussi. Hein. Bon, je n'avais pas encore gagné. Hein. C'est dur quand même. Hein. Mais bon, c'est amusant. Ça change un peu. Allez, les poissons là. Comme ça mord pas, comme ça là, je ramène toujours un petit peu à vite. Je me mets la vitesse 1 et je ramène un peu et j'arrête. Il suffit qu'il y en ait un qui est pas loin et il attaque. Il y en a un qui a fait un trophée là. Trente-deux. Allez, allez, les poissons chats. Là, tous les poissons chats, j'ai fait l'unique déjà. Allez. Je vais relancer parce que là, ça ne mord pas. 30e déjà. On descend vite. Hein. Allez. Un petit trophée là, ce serait bien. Ouais, c'est vrai que maintenant je tire à 40. Là. Allez, les petits poissons, en avant. Le premier, combien? Le premier, il a pêché un paquet. Ouais, en fait, ça donne des points. J'ai pas fait attention, mais c'est par points, en fait, là. Au lac Émeraude. À New York. Ouais, à New York, fait les dorés jaunes. Ça apporte pas mal d'XP et d'argent. Tu vas du côté du canoë. Et à 15 mètres, même pas, à 13 mètres du bord, tu fais les dorés jaunes à 21 h, à partir de 21 h. 9 kilos, il est beau celui-là. T'y arrives.
Allez. J'ai perdu un peu de temps. Ouais, tu fais un peu de sous, hein. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Des sous et un peu d'XP aussi. Hein. Ça donne pas mal d'XP. Mais quand tu les pêches, fais attention de les pêcher avec la bonne canne. Si tu vois que tu as des petites flèches rouges, quand tu remontes le poisson, ça veut dire que ta canne est trop costaud par rapport au poisson. Et tu perds de l'XP comme ça. Allez Jean-Marc! On y est presque, 36e, hein, pourtant. Hein. Faudrait que je fasse un beau là. Faudrait que je fasse. Parce qu'en fait, j'ai pas fait attention, mais les poissons ont chacun des points. J'ai plus le. L'unique, je crois que c'est 10 points. Les trophées. Je sais plus. J'ai pas regardé les points. En fait, c'est pas là, c'est pas en kilo, c'est pas. Mon fil, là, c'est du 13 kilos. 13 kilos 5. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention avec le frein, parce que vu que des fois, c'est des beaux poissons costauds, encore que ceux-là, ils ne sont pas tellement combattants. Et là, j'ai la Brutus 330. Allez, allez. On est que se réveille les poissons là. Voilà. Ah, il suffit d'avancer un peu de temps en temps. Comme ça, ils voient qu'il n'a pas avancé et ils attaquent des fois. Ouais, je peux pas mettre plus de frein parce que moi j'ai mis du fil pas costaud, disons pas costaud. Parce que j'ai pas de bouchon de rechange. Hein. Je casse, j'ai pas de bouchon. Hein. Pour ça qu'il faut pas que je casse. Hein. 12 kilos. Allez, allez. Allez, 41. Trente minutes, il reste 31. Ah, c'est bien. Bon, celui-là, c'est mon premier, hein, premier essai de ce concours, hein. On peut le prendre aussi, ouais. On peut le prendre aussi avec la grosse tranche. On peut prendre même avec la grenouille. Avec la pas la grenouille, j'ai réussi à en prendre. Sinon, je pense que ça mange tout. Hein. Les poissons chats, ça mange tout. Hein. Tout ce qui traîne, ils mangent. Hein. Et que je vais finir dans les 10 premiers. Allez, allez. Il met du temps là à mordre. Hein. Kilos. Les 6 heures. Faudrait que ça morde maintenant. On voit le bouchon là-bas.
Allez. Je sais pas si c'est le meilleur horaire. 6 h le matin. Ça aurait été mieux qu'il fasse le concours en fin d'après-midi. Allez, allez, un petit poisson-chat. Allez. 28 minutes, il reste. 49e. Eh ben, ils ont pas faim, quoi. J'ai mis mon leurre là, ils ont pas faim. On va avancer un peu. Alors que s'il y en a un au bord. S'il y en a un qui voit le. Il n'a pas passé devant lui, il va l'attaquer. Ah, j'essaie de temps en temps, je le fais ça. Des fois, il suffit qu'il y en ait un qui passe. Non, 17 mètres, c'est bon. Ah ouais, mince. Dommage. J'aurais dû continuer un peu. On va tirer par là. Allez, poisson-chat. Quarante et un mètres. J'aime bien me mettre toujours dans la distance que je connais bien. Cinquante-troisième. Je suis redescendu. Hein. Il me faudrait que je fasse une petite série là maintenant. Il faudrait que ça remorde là un peu. Hein. Allez, allez, petit poisson-chat. L'horaire, 6 h et 6 h 30 presque. C'est 40. Tu me talonnes. Ah ouais. Ouais, t'es juste en dessous de moi, c'est ça? Oh, tu pêches au même endroit que moi. À l'arbre. Au fond, à l'arbre. Ah, t'es passé devant moi là.
crois pas, j'arrive pas c'est zéro, ouais. Moi, je me suis mis au chineur 8-0 pour essayer de faire les plus gros. Mais au chineur, là, ça n'a pas l'air de prendre là. On va essayer de prendre un autre. J'essaie de changer moi aussi, tiens. J'essaie de prendre des tranches, on va voir. On va essayer de changer un peu. Je sais pas si j'en ai encore du. Ouais, grosse tranche, j'en ai encore. J'en ai 8. Allez, on va essayer avec ça. Allez les poissons-chats, il reste 22 minutes. Il faudrait que je fasse une petite série là. Ah ouais, je voyais pas bouger, ouais, c'est les tranches. Ouais. Je crois que c'était le chineur. Ouais. On va attendre, hein. Que ça morde. Tain, quand je viens pêcher ici, j'attends même pas 2 minutes pour l'avoir. Ouais, c'est ça que j'aime pas, voilà, c'est ça. Que j'aime pas avec les tranches, c'est qu'ils sont pas francs, ils prennent pas franchement, ils tapent dans la... ils tirent sur l'appât. Allez, quand même, j'en ai pris un, c'est bon. Hameçon 6-0, ouais. Moi j'ai pris un hameçon, j'ai pris un gros parce que je me suis dit comme ça, j'essaie de prendre le plus gros possible, mais en fait. On verra bien, mais celui-là aussi parce que je vois que le fil il tremble. Il doit être pas mal celui-là. Allez, un petit 10 kilos là. Elle est beau celui-là aussi, hein. 14 kilos. Ah, c'est une belle bête, hein. Ah, ben voilà. On va tirer par là, par là, ouais, par là, comme ça. Et ben voilà, un petit 14 kilos. Se mettre à 41 comme d'habitude. Voilà. Là, c'est la tranche, là. Ça mord. Ça mord. Mais la façon qu'ils attaquent l'appât, j'aime pas trop. Parce qu'ils mettent, des fois, ils mettent du temps, là. Ils tirent dessus et.
pas comme le chineur. Le chineur, il se jette dessus, il le mange de suite. Il y en a un qui a pris un poisson-chat à tête plate, trophée de 17 kilos. Allez, il reste 19 minutes. Bon, c'est mon premier, celui-là. Premier tournoi de poisson-chat. Mais à 40, on va voir. Ils sont loin à mordre quand même. Ouais, vu les têtes qu'ils ont, tu sais, tu peux mettre du hameçon de 8, même du 9, je pense. À Sainte-Croix, avec les mêmes du hameçon de 10, tu les prends. Allez, elles sont un peu longues à mordre hein, quand même. Hein. Il reste 17 minutes. Ah, quand je dis ça, il. Allez, voilà. Pêche-toi de mordre. Voilà, hop. Pourquoi c'est détendu comme ça le fil? J'ai pas compris là. C'est détendu. Centième. C'est vraiment chaud quand même. J'espère que c'est un beau. J'ai pas fait encore ni un trophée ni un unique là. Allez, belle bête. 14 kilos. Allez, on tire par là. C'est peut-être 41 encore. Il reste 16 minutes. C'est chaud là. Ça mord pas assez vite là. Et c'est cet horaire aussi. 6h55 en temps ensoleillé, c'est pas le meilleur moment. Hein. Allez. Il faudrait au moins un trophée là pour prendre des points. Je vais laisser à 40. Il fait 77 kilos pour l'instant. Allez, poisson chat là, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment quoi? C'est dérivé un peu.
Ah, ça les a réveillés, hein. Allez. Ah, c'est pour ça que j'aime pas leur donner des tranches, hein, de poisson. Voilà, j'ai avancé un peu. Il a attaqué mais s'est arrêté. Moi je vais prendre des. Je vais prendre des gros vifs, hein. Parce que ça me plaît pas quand ils font ça là. Il reste 13 minutes. Un mal barré, hein. Ouais, je vais changer, je vais prendre. Avec les tranches là, ça sert à rien là. Mettre 2 heures à mordre. Je vais prendre. Je sais pas s'il y en a encore des gros vifs. Gros vifs, ouais, j'en ai encore 14, ça va. Mais c'est gros vif. Avec ça, s'ils ont pas faim, s'ils ont pas faim avec ça. Mince, elle a accroché la ligne. Allez. Là, il y a de quoi manger, là. Soixante-cinquième Maradona. Il reste 11 minutes. Allez, poisson-chat, qu'est-ce qu'ils attendent? En train de regarder le gros vif là. Il va de droite à gauche, mais il s'arrête pas. Allez, 10 minutes. C'est plié pour les premières places. C'est plié, mais c'est pas grave. Celui-là, c'était le premier essai. Toujours la vitesse 1 pour voir s'il y en a un. Attaque.
Non. On a changé. Tiens, je vais faire la grenouille, tiens. Pour changer un peu. On va voir la grenouille. La mort aussi, la grenouille. Dis-moi, ça devrait. Mettre à 40, tu vois un peu. Il reste 8 minutes. C'est le brouillard au fond là. Ah, ça mord pas, hein. Ça mord plus. Bah, je vais remettre les chineurs parce que autrement, on va terminer. Il reste 7 minutes. On va terminer avec les chineurs. On va voir. On va remettre les chineurs. Voilà. Allez. J'aimerais bien en faire un ou deux encore, hein. Aussi à 42 mètres. On va prendre un garpic alligator. Bah, ça il faudrait pas parce que là, vu la ligne que j'ai. Allez, allez, 5 minutes. Allez, un petit là, qui morde là. 5 minutes. Je vais faire un. Peut-être pas l'unique, mais peut-être un trophée. Ça serait bien. Je vais mettre à 40. C'est les horaires, hein. Moi j'aime pas ces horaires. Hein. La petite, j'en prends tout le temps, toutes les 2 minutes j'en prends. Je prends au moins 3 ou 4 trophées à chaque fois et un unique. J'ai même pas fait un trophée encore. Hein.
Allez, un petit poisson. Il est quelle heure? 7h44. Mon chineur qui s'était arrêté, je pensais qu'il y avait une attaque. Pas encore. Il reste 3 minutes. Allez, en 3 minutes, là, il me faudrait un bout, là. Ça serait bien pour finir. Il m'a écouté. Le poisson, il m'a écouté là. Il en fallait un pour finir, il reste 2 minutes. Ah, on peut encore faire un, hein, si jamais. Hein. Ouf, je retire du frein là parce que je suis monté dans le rouge. Allez, un beau. 11 kilos. Pas non plus la folie, mais bon, toujours ça. Hein. Il reste 2 minutes, allez, on peut en faire un encore. Allez, 40. Allez, 2 minutes pour en faire un autre, allez. Tant qu'on voit le chineur bouger, c'est qu'il n'y a rien. S'il stoppe, c'est qu'il va y avoir une attaque. Salut, re-salut, ah ouais, 75e. D'habitude, ici, je fais. J'ai rempli ma bruche en moins d'une demi-heure. Là, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai même pas fait un trophée. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est la première, c'est mon premier essai ici. Ils ont du mal à mordre quand même. Hein. Il reste combien? Ah, 39, 38 secondes. C'est mort. J'essaie de ramener comme ça, voir s'il y en a un qui accroche. Je ramène à la vitesse 1. Voir s'il y en a un qui accroche, au moins pour en faire un dernier. Moi j'y crois. Allez, il y en a un qui va accrocher là. Non. 13 secondes. 12. Il va être stressé avec l'horloge. Ah, c'est fini. C'est fini. 76e. Soixante-dix-septième. Le plus gros, j'ai fait que c'est 14 kilos. C'est tout. Bah, c'était un beau concours quand même. Hein. Bon, pas eu de chance, hein. J'ai quand même un peu d'argent, d'XP 112, 712, 3559 dollars. Mais j'ai pas fait un. Ouais, j'ai pas fait de trophée, ni de. Surtout un trophée, j'ai pas fait un trophée, c'est ça qui m'a un peu énervé. Mais bon, c'était le premier essai. La prochaine fois, j'essaierai de monter au moins jusqu'à. Allez, 60e. Au moins dans les 50 premiers, allez. Au bout de 3, hein, faut que j'arrive ici, ça.
Être dans les trois premiers, ça va être dur. Et voilà, les amis, un bon petit concours tranquille. Jean-Marc, t'as fini combien, toi? T'as fini devant moi, toi, je pense, hein. T'es monté plus haut, hein. Mais c'était un bon petit concours. Sur ce, les amis, je vous souhaite un bon week-end. Ouais, non, faut monter. Toujours positif, vers le haut. Allez plus haut. Non, je commence à chanter, il va pleuvoir. Alors, il vaut mieux pas que je chante, que ils ont prévu du beau temps ce week-end. Hein. Ah, t'as pas fini. Bon, ça va, les amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve pour une prochaine pêche ou un prochain concours. Ciao, Dawei. Ciao, Jean-Marc. Je chante très bien, ouais, merci. Ciao, bye bye, les amis.